Eh bien yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme t'as pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve sur du Fortnite. Et bien sûr aujourd'hui on va parler d'une vidéo information. Comme tu penses sur la vidéo elle-même, on va parler d'une danse secrète qui est arrivée aujourd'hui officiellement sur Fortnite. Et on va bien sûr aussi entamer le sujet de la vidéo d'hier soir, qui était une vidéo glitch à vous montrer. Beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié la vidéo et ça m'en fait plaisir. Et d'autres qui ont créé au fake. Et bien sûr on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais un petit peu vous expliquer le type de contenu qu'on est en train de se faire en ce moment même. Il faut savoir que la compétition reprend à partir du 14 ou 15. Donc pendant encore ces 5-6 jours là, on va pouvoir souffler tranquillement. On a encore le temps. Fortnite est en vacances. Et du coup, on attendra les prochaines mises à jour pour refaire d'autres vidéos d'un autre type de contenu. Mais pour le moment, je me suis remis un petit peu sur les rails. Et on va refaire un petit peu des vidéos d'information. Ça me plaît énormément. Ça me prend un temps en plus agréable à faire. Je suis tranquille, je vous parle ensemble. On parle des nouvelles news qu'il y a en ce moment avec Fortnite. Et du coup je trouve ça assez good, parce que en ce moment même, ce qui vous intéresse le plus les amis, c'est tout simplement les vidéos avec les voitures, les vidéos, les glitchs pour passer à travers des secrets, etc. et tout. Et ça franchement c'est sympa à vérifier, c'est sympa à regarder s'il y a des choses qui sont fake ou pas. On va en parler dès à présent, mais beaucoup de personnes aujourd'hui m'ont dit hier, ouais Flouz, ton glitch il est fake, ton glitch il est patch. Les podos, le glitch peut être patch. Je vais pas vous le cacher que je ne l'ai pas testé depuis hier, peut-être. Même si ça m'étonnerait, je pense très bien que le glitch marche encore, hein. Il a été sorti depuis à peine 2 jours. Mais aussi, il faut savoir que les amis, le glitch n'est pas fake. Parce qu'en gros, tout simplement, je vous l'avais sorti directement en vidéo. Je vous ai montré la manip. Comment vous voulez que je fasse ça en fake? Sachant que vous me connaissez très bien pour certains. Je ne suis pas une personne qui fait de bad fake. Au contraire, je fais beaucoup de vidéos avec des challenges, des vidéos compétition ou quoi. En aucun cas, je suis une personne qui faisait des vidéos info ou du glitch pendant plus de un an et demi. Du coup, ça, les gars, faut se le dire que là, je reprends les vidéos info. Mais je vous donne des vidéos info qui sont sympas et qui sont officielles. Je serai pas là à vous dire oui, demain vous allez gagner 13 500 V-Bucks ou autre. Ça c'est faux les gars, vous voyez. Ça c'est des choses qui sont fake et que je ne ferai jamais sur la chaîne, parce que je n'ai aucun intérêt à vous faire ça. Au passage, au fond de la vidéo, je vous ai mis un petit gameplay en même temps. Faut savoir que je ne joue pas, d'accord. Vous m'avez demandé beaucoup de me focus sur mon commentaire et pas sur mon gameplay des fois. Du coup j'ai voulu tester aujourd'hui de vous mettre un gameplay que j'ai fait aujourd'hui même. Il y a encore même pas une heure de ça. Et tranquillement en même temps je parle avec. Du coup les amis, je pense que je vais pas trop vous faire tarder pour le sujet de la vidéo elle-même. On va parler de cette danse secrète qui est simplement en fait le Bankra Boogie. Il faut savoir que c'est à l'effigie du nouveau téléphone OnePlus qui est sorti depuis 2 jours maintenant. Et du coup il faut savoir que OnePlus ont fait une collaboration avec Fortnite pour avoir une danse secrète gratuitement, comme on a pu avoir avec Samsung et Honor, avec certaines fois des skins ou d'autres fois juste des danses. On a pu avoir le skin Colora, le skin Galaxy, le skin iconique, et bien sûr on a même eu la danse scène iconique quand on achetait le Samsung je crois S10 ou S11, mais plus tu vois, genre plus tu mettais des options pendant le téléphone, plus t'avais de facilité à avoir des petites goodies gratuits en collaboration avec Fortnite. Et du coup les amis, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est simplement pour vous expliquer que tous ceux qui se demandent actuellement si vous voyez des gens avec cette nouvelle danse et que vous demandez si elle est dans la boutique ou de Fortnite, juste pour vous dire que actuellement elle est uniquement en collaboration avec le téléphone OnePlus. Du coup ceux qui vont la jouer aujourd'hui, bah GG à vous, parce qu'elle est vraiment super stylée. Elle est de rareté bleue, c'est une danse de base à 500 V-Bucks. Et il faut savoir que les amis, on aura peut-être une possibilité de la voir dans la boutique plus tard, pas tout de suite, mais vraiment vraiment quand je vous dis plus tard, ça sera peut-être dans 3-4 mois, tu vois. C'est comme on avait eu une petite question qu'on s'est posée. Beaucoup de personnes nous ont demandé est-ce qu'on aurait, pourquoi pas, éventuellement une retour des skins dans la boutique, genre iconique et Galaxy, bien sûr que non. Mais cette danse-là, le Bankra Boogie, il y a vraiment moyen qu'elle sorte plus tard. Parce que dans un texte, ils ont mis OnePlus. Ils ont dit que pour le moment, la collaboration sera limitée uniquement pour les téléphones, et pourquoi pas voir plus tard avec les effigies en fait de leur nombre de ventes, mettre la petite danse dans la boutique en plus pour bien sûr qu'ils fassent plus d'argent entre eux, ce qui est totalement logique, sachant que de base en fait il faut savoir que ça ne sera pas un skin à gagner mais juste uniquement une danse pour le téléphone, alors que dans les autres téléphones on avait obligatoirement un skin. Alors au passage les amis, c'est pas une pub ou c'est pas au passage les amis, c'est pas un placement de produit ou quoi, mais je vais juste un petit peu vous expliquer les particularités un petit peu du téléphone. Faut savoir que pour commencer, le OnePlus est simplement une nouvelle fraîcheur dans les téléphones, parce que tu pourras jouer à Fortnite à plus de 90 FPS. Ça c'est juste incroyable, parce qu'ils ont fait exprès de vous mettre des gros téléphones gaming maintenant pour vous jouer comme en fait si vous êtes sur PC. Vous imaginez que quand même un téléphone peut obtenir à 90 voire maximum 120 FPS actuellement dans le jeu, plus qu'une console de salon les potes. Et ça c'est juste incroyable d'en arriver là avec seulement un petit téléphone, tu vois, pour vous dire que la puissance qui peut être mise est juste incroyable. Et en ce moment bah, la technologie elle fait vraiment des ravages, et ça ça fait plaisir quand même, parce que pour les personnes qui n'avaient pas les moyens à l'époque de prendre une console à 400 € et acheter des téléphones à 100, 200 €, etc. Bah, petit à petit ils sont en train de faire des téléphones pour le prix
d'une console, mais au moins on va pas se le cacher quand même qu'un téléphone est beaucoup plus utile qu'une console. Et là en ce moment ils sont en train d'essayer de faire tout simplement une utilité vitale et aussi pour jouer aux jeux vidéo et se détendre à côté. Et ça je trouve ça très bien de la part de la technologie en ce moment, et même avec la collaboration de Fortnite, parce que Fortnite bien sûr eux aussi ont élaboré les FPS pour les mettre le plus possible et faire des limites. Et ça je trouve ça cool. Voilà un petit peu les frérots, les informations que j'ai pu vous donner un peu pour le téléphone. Le prix pour l'instant est de 500€, je me suis renseigné. C'est le OnePlus 6, après il y a moyen que vous voulez moins cher actuellement. Faut que je vous dise dans les prochains jours à venir si vous avez envie. Du coup, au passage, toutes les personnes qui voudront acheter uniquement la danse et pas bien sûr le téléphone, franchement si je peux vous donner un conseil, essayez de faire attention, mais essayez d'aller voir sur Twitter. Tous les linkers sont bien sûr dessus les gars, hein, les sellers, pour avoir toutes les choses exclusives des téléphones ou des packaging, parce que eux ils arrivent à se débrouiller pour avoir uniquement que des codes et pas payer tout simplement certaines choses. Bien sûr faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous arnaqueront votre argent. Mais par contre voilà, pour ceux qui voudront savoir comment les détenir sans payer autant d'argent, moi je vais essayer de me renseigner sur le sujet pour pourquoi pas avoir la danse et pourquoi pas vous la faire tester plus tard, et même pourquoi pas même vous en faire gagner une, hein, je sais pas encore. Je vais essayer de me renseigner pour l'instant si c'est possible d'avoir des personnes qui les ont. Et je vous tiendrai au courant pour le prix aussi, parce que je pense que c'est quand même pas 2-3€ quoi, hein. Sachant que le téléphone coûte cher, je pense que la danse va coûter quand même 15-20 balles, voire 30 balles. À voir les gars, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Au passage, là vous pouvez voir juste la chute fatale que je viens de faire, c'est vraiment une chose débile. J'ai encore la haine de la game tout à l'heure parce que j'étais quand même dans une bonne game, j'ai fait 17-18 kills, mais voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça fait beaucoup de temps que vous m'avez demandé un peu ça. Et ça m'a fait... Bon les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé depuis le début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter. Demain une nouvelle vidéo et un tout nouveau live à partir de ce soir. Tous les soirs on est en stream en ce moment. Je compte sur vous pour venir nous rejoindre. Et merci encore une fois les gars, un très bon visionnage à vous. Peace.